Bienvenue dans ce 9e épisode sur la suite parentale. Alors dans cet épisode, je vais terminer l'enduit de refus sur les bancs de placo et ensuite je vais enduire les murs de la chambre et tout le plafond avec un rouleau. Bon, pour l'enduit de refus, j'aurais pu m'arrêter à la salle de bain, mais autant tout faire. L'avantage, c'est qu'il tire vite comme enduit, donc je gagne du temps. Pour l'enduit de refuge, c'est terminé, toutes les bandes sont recouvertes, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Avant d'enduire tous les murs et plafonds, il va falloir poncer tout ça, histoire d'avoir un support lisse. Donc c'est parti pour le ponçage des bandes au grain 240, alors ça sert à rien de poncer avec du grain 80 ou 120, vous allez tout arracher et rayer le placo. Le but n'est pas d'enlever l'enduit qu'on vient de poser, mais de casser les coups de spatule et les éventuelles petites crottes d'enduit par-ci par-là. Plus les murs seront propres et mieux ce sera pour lisser l'enduit. Bon, je vous filme pas le ponçage de toutes les bandes, vous avez compris le principe, le but c'est de lisser le support. Alors voilà ce que ça donne une fois les murs et le plafond poncés. Franchement, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps et au moins les surfaces sont propres. Il n'y a plus rien qui dépasse et qui pourrait gêner le lissage. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, l'enduit au rouleau. Alors, je vais utiliser le Bagarre Airless G de Bessier. C'est un vrai plaisir de bosser avec cet enduit. Il s'étale tout seul, il se lisse parfaitement, il est garnissant, il se ponce très facilement et surtout, il est super blanc. Vous allez voir tout à l'heure une fois sec, on pourrait penser que j'ai peint la pièce tellement il est blanc. Alors sur les seaux, les pictos nous disent que c'est un enduit en phase aqueuse pour l'intérieur et qu'on peut le passer dans une pompe airless. Bon, dans mon cas, je vais l'étaler au rouleau et vous allez voir, ça se fait tout seul. Alors bien sûr, il faut malaxer à vitesse lente, histoire de le détendre avant de l'appliquer. Pour ceux qui se posent la question, j'utilise un rouleau à enduit Roll-Enduit de l'outil parfait. Par moment, vous allez me voir enlever des petits poils du rouleau qui se collent sur les murs. C'est normal car mon rouleau est neuf. D'ici quelques mètres carrés, il n'y aura plus de soucis. Alors concernant la lame, je vous montre, c'est une lame à lisser de l'outil parfait, ça marche très bien et ça existe dans plusieurs dimensions. Là, j'utilise une lame de 45, ça me convient parfaitement.
Voilà ce qui doit rester sur la lame quand vous avez terminé le lissage. Le but, c'est de lisser l'enduit et non de l'enlever. Lorsque j'ai terminé de le lisser, je nettoie la lame avec une éponge et de l'eau, histoire d'avoir une lame toujours propre. Le temps d'étaler l'enduit rouleau pour le prochain panneau au bout de mur, je sais que ma lame n'aura pas d'enduit qui commence à sécher et qui pourrait me gêner par la suite. Alors pour le plafond, c'est la même histoire. Bien sûr, il faut enlever les spots et tout ce qui pourrait gêner. C'est plus pratique et c'est évite les démarcations. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avant de commencer l'enduit, c'est que le bagarre airless est tellement blanc qu'on a l'impression que la pièce a été peinte. Alors maintenant que ça a bien séché, on va passer au ponçage. Alors comme pour les bandes, le but n'est pas d'enlever de la matière, donc je vais poncer au grain 400. Ça suffit amplement. Je vous montre à quoi ressemble le disque de ponçage. Ce sont des Mirka, ils sont ultra fins, ils agrippent très bien au plateau et ils ont une très bonne durée de vie. Alors pour le ponçage, je n'utilise pas de ponceuse type girafe car je ne suis pas fan de ce genre de matériel, c'est beaucoup trop lourd. Je préfère utiliser ma petite Mirka avec un plateau de 150 setup et ça me va bien. Elle est légère, elle tient très bien dans la main, le déclenchement se fait sur le dessus comme pour une ponceuse pneumatique. Pour ma part, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Alors concernant le contour du porte-fenêtre, vous voyez qu'il est encore en placo hydrofuge. Il va être habillé avec des plaques en PVC, donc ça sert absolument à rien de l'enduire. We'll be right back.
Le ponçage est maintenant terminé, alors pour les retouches d'enduit et peinture, on verra ça à la fin. La prochaine étape, c'est l'étanchéité de la douche et de la baignoire. Alors cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, ça motive vraiment. Partagez la vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite des travaux.